Mirage 2000, Super Étendard, Rafale, la France a constamment des avions de chasse présents sur des théâtres d'opérations extérieures. En 2007, l'un des points les plus chauds, c'est l'Afghanistan. En zone de conflit, l'armée de l'air française prévoit la présence d'hélicoptères et de commandos prêts à intervenir en cas d'éjection d'un pilote. Sauver un pilote qui s'est éjecté ou crashé en terrain hostile. Une mission interarmée confiée à l'armée de l'air depuis 1997, avec l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées et des unités d'élite des commandos parachutistes de l'air numéro 20 et 30. Son nom, la RESCO, recherche et sauvetage au combat. Cette mission est très risquée, l'hélicoptère est vulnérable, donc les craintes existent forcément en situation réelle. On est très content d'avoir un airbag, mais le but c'est de ne jamais s'en servir. Donc finalement, la mission RESCO, on s'y entraîne, mais l'idéal, ça serait de ne jamais la pratiquer. 29 août 1995, deux pilotes de Mirage 2000D sont abattus et capturés en Bosnie. Depuis, l'armée française n'a eu à déplorer aucun incident de ce genre. Pourtant, à partir de cet événement, la mission RESCO a pris une réelle envergure en France. On ne peut pas tolérer que des pilotes ou des membres d'équipage d'aéronefs qui soient tombés en zone hostile soient capturés par l'ennemi et soient source de propagande ou de source de renseignements. Donc l'intérêt de la RESCO, c'est justement d'aller chercher ces pilotes pour préserver le potentiel humain et le moral des troupes qui sont déployées sur un théâtre, quel qu'il soit. Allez, on y va, on y va. Allez. Camp de Souges, région bordelaise. Sélection des commandos parachutistes de l'air pour intégrer le groupe RESCO. Les unités RESCO, c'est moins d'une centaine d'hommes en France, répartis sur les bases de Mérignac et de Villacoublay. Indépendants des forces spéciales, ils représentent 3% des commandos de l'armée de l'air. Cette semaine, ils sont 21 candidats à postuler. Seuls les meilleurs intégreront l'élite. Assis ! Eh bien, on recherche d'abord un profil particulier, c'est-à-dire il faut que les gens soient plutôt stables émotionnellement, qu'ils aient une certaine maturité, ensuite qu'ils aient des acquis sur le plan technique, sur le plan physique, et on vérifie tout ça lors des preuves de sélection. Le parcours d'audace. Des obstacles pour la plupart supérieurs à 3 mètres. Les qualités requises, agilité, rapidité et sécurité. Au bout de 4 jours, ils sont dans un état de fatigue avancé. Psychologiquement, en fait, ils ont bien été sollicités. C'est vrai que nous les mettons volontairement en situation de difficulté pour les faire douter d'eux-mêmes et voir un petit peu la capacité qu'ils ont à gérer ce stress. Et ça nous permet de voir si dans leur tête tout fonctionne bien et s'ils restent lucides et toujours volontaires et déterminés pour passer ces obstacles. Allez, on y va. Allez, plaquage au sol. Allez, avance. Allez, rampe. Allez, viens vers moi. Allez, avance. 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 Allez, dépêche-toi. Allez, avance. Allez, roule d'avant. Allez, roule d'avant. Allez, viens. 96 heures sans sommeil. Près de 120 km parcourus, les commandos ne doivent rien lâcher. Pour intégrer un GRS, un groupe de récupération au sol composé de 10 équipiers RESCO,
les candidats doivent tout donner pendant le parcours corps à corps. Allez, Bragard, debout. Dans l'eau. Descends dans l'eau. Descends dans l'eau. Allez, passe la passerelle. Allez, descends. Allez, passe. Allez, tire. Allez, dépêche-toi. Allez. Nous essayons d'évaluer donc les profils et les potentiels de chacun des personnes que l'on va sélectionner pour pouvoir cibler un petit peu leurs compétences particulières et les affecter dans certains GRS en fonction des besoins du moment. Allez, pense à quoi t'es venu chercher. Allez, je suis venu chercher une place. Vous n'aurez pas tout seul. Allez, allez, frappe, fais-le reculer, fais-le bouger, fais-le avancer. Allez, tu vis pas, Braga. Allez, frappe, avance. Remonte-le. Avance. Allez. 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 Allez, viens, Braga, allez, debout. Allez, viens. Allez. C'est pas terminé. Allez. Allez, Braga. Viens ici. Je t'ai. Le couteau. Braga, le couteau. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon, lâche-le. Nickel. Allez, viens avec moi. Allez, c'est pas fini. Allez, viens. Allez, on redescend. Redescend de la rivière. Allez, t'as fait du bruit. Il faut vite. Allez, dépêche-toi. Tout est mis en place par les instructeurs et les commandos de l'unité RESCO pour tester au maximum les postulants. J'ai mal. Donc on l'a bien mal. Ah. Allez. Ah, j'ai mal à ma jambe. Allez, Braga, pense. Allez, t'as rien là. T'as pas ton fusil, t'as pas ton gilet, t'as pas ton sac. Voilà. Ok, ici. Doucement, Braga. Allez, remonte. Pas de répit pour les candidats. C'est l'heure de l'épreuve du tir. Pour ce test de précision, ils doivent régler eux-mêmes leurs armes pour un résultat optimal. Donc pour vous, ça sera un tir à 200 mètres FAMAS de 5 cartouches en précision, position du tireur couché. Pour la série, en position. Dès que paraît, faire feu. En arrière. T'es parti, tu cours, tu vas relever ta cible. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Si on reste dans l'esprit d'une sélection, ils ont possibilité de régler. Le réglage n'est pas concluant, le tir sera de mauvaise qualité et la sanction sera au résultat. Dernier jour de sélection, base aérienne 106 de Bordeaux. Les épreuves pour intégrer l'unité RESCO sont terminées. C'est l'heure du verdict. Les pronostics vont bon train. C'était la piste. Bon, au final, la fatigue, hein. C'est fatigue à parler un petit peu sur la fin, quoi. Les trois nuits sans sommeil, bon, c'est les marches, hein, qui sont la flotte. L'humidité, c'est vrai que l'humidité, ouais, c'est joli. Ouais, tout trempé au bout du deuxième jour. Le sac. Non, j'ai fait un sac léger. Léger. Ouais. J'ai fait l'impasse sur le duvet. T'avais pas pris de duvet avec. Pas de Gore-Tex. Pas de duvet. Non. Ah non, on n'a pas dormi. Bah ça va passer, j'espère. Hein. Sinon tu feras les prochains. Hein. Attends. Deux fois je les ai faites moi. Eh ouais. Non. Bah ça va passer là. Monsieur, bonjour, repos, asseyez-vous. Bien, vous voilà arrivé au terme de votre semaine de sélection, durant laquelle vous avez donné le meilleur de vous-même. Maintenant, j'en viens au cœur du sujet, le résultat de ces sélections. On satisfait à ces sélections. Le sergent. Seuls 10 commandos parachutistes de l'air sur 21 postulants sont retenus pour suivre la formation RESCO et intégrer l'élite. Pour des questions de sécurité, aucun nom ne sera divulgué. Les autres devront attendre un an pour retenter leur chance. Voilà. Bon, tous ces gens-là donc intégreront le stage qui débutera en janvier. Les autres personnels, sous-officiers militaires de rang, sont ajournés. Ça ne veut pas dire qu'ils font échec, compte tenu du niveau moyen que l'on a remarqué. Mais qu'ils pourront se représenter à des sélections ultérieures. Bravo. On peut y en. Base de Cazaux, escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées.
8h du matin, les hangars s'éveillent. Les mécanos s'activent pour préparer les Puma et EC-725 qui partent en vol. L'activité est déjà importante sur la base et les roulages s'enchaînent. Pendant ce temps-là, les pilotes arrivent à l'escadron. Petit tour du propriétaire. Bonjour. Salut. Allez, bonjour. C'est Guillaume. Bonjour. 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 C'est un rituel pour les équipages. Chaque journée commence par le briefing météo. Messieurs, bonjour. C'est le moment où les pilotes découvrent la viabilité des vols de la journée. Le gros phénomène, c'est surtout le brouillard. C'est du sol jusqu'à à peu près 500 pieds maximum d'épaisseur. C'est pas épais, mais par contre, c'est très dense. Donc, comptez pas avant entre 11 et 12 heures. Suite de la matinée, chaque pilote au sol gère les affaires quotidiennes. Ouais, tout à fait. Donc, nous, au niveau des besoins un peu particuliers, on aurait besoin. Enfin, le point qui peut être un peu bloquant, c'est mercredi. Ouais. C'est qu'on envoie les gens à Orléans, ouais, en vue du départ. Donc, par contre, ça veut dire qu'ils vont partir tôt le matin, donc ils vont rentrer tard le soir, il faut que la base soit ouverte. Ce matin, les équipiers ESCO de la base 106 de Mérignac sont présents à l'escadron pour travailler leur technique d'aérocordage. Chaque semaine, pilotes et commandos répètent ensemble les procédures de descente, que ce soit en corde lisse, en posée ou en grappe. Aujourd'hui, ils doivent valider une nouvelle méthode de mise au sol, le rappel. 130 km/h, la zone est à 1h, on arrive à 1 minute pour le rappel. Le train, il est sorti, il est traverse. La saute, c'est bon, pareil. On est à 30 secondes, là. On est à 30 secondes, guidage. Voilà, c'est fait. Les deux corps sont accrochés. Ok, toujours en bonne position, ils sont en train de se préparer derrière. Le premier arrive à la porte. Il se met sur le marchepied à gauche, c'est bon, à droite, il y a aussi. Toujours en bonne position, bonne verticale. Ok, le train en descente. Dans le rappel, on est toujours accroché à quelque chose, tandis qu'à la corde lisse, c'est juste les bras et les pieds qui tiennent la corde, quoi. S'il y a une défaillance à ce moment-là, il n'y a rien qui nous retient, et puis c'est directement la personne au sol, quoi. Tandis que le rappel, inconsciemment, on sait qu'on est rattaché à quelque chose, quoi. Même s'il n'y a pas d'assurance, on sait que tant qu'on a la corde dans les mains, il ne peut rien se passer, quoi. Que celui-là est monté en gauche, d'accord. Donc c'est l'anneau de gauche qui vient là-dessus. Alors tu m'as fait. Celui-là il est gaucher, on est bien. Voilà, t'es droitier, tu mets l'anneau de droite dessus, t'es gaucher, tu mets l'anneau gauche dessus. À 19h, les commandos ESCO repartent en vol. Même scénario, mais cette fois tout se déroule de nuit. Comme chaque exercice, ils décrocheront leur validation opérationnelle après la qualification nocturne. Pour une mission aussi délicate que le sauvetage d'un pilote en milieu hostile, effet de surprise et discrétion sont les maîtres mots. La nuit est donc le meilleur moment pour intervenir. Déclenchement d'alerte RESCO, tous les équipages seront en salle d'opération mission. Exercice RESCO, c'est l'alerte. Les équipages doivent récupérer un survivor, c'est-à-dire un pilote de chasse qui s'est éjecté en zone ennemie. Ouais. Direction la salle de briefing. Nous intervenons dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, la 8300 qui a été votée le mois dernier. L'officier de renseignement, enseigne de vaisseau de la marine, fait un point tactique aux militaires sur la mission à venir.
territoire Redland, puisque nous avons des groupes hostiles qui exercent des actions hostiles contre notre gouvernement et contre le pouvoir de Redland. Donc le niveau de priorité est alpha, la zone de menace est faible, et au niveau règles d'engagement, légitime défense étendue. Bien, compte tenu des éléments qu'on a eus, on va participer à la récupération dans un dispositif intégré de Ulysse 21. Le passage des lignes sera 13:37, décollage à 15, roulage à 10 et contact radio pour la mise en route à l'heure ronde. Ok, on quittera cette salle à 12:30 dernier délai, toutes questions posées afin que ça se déroule normalement. Ok, donc on a 10 minutes avant de pouvoir partir à la machine. On y va. Fin du briefing. L'ISOPREP est transmis au commando. C'est un document classé secret défense contenant les informations nécessaires pour identifier le pilote éjecté. Qui se situe ici, à ce point-là. À ce point-là également. Dans la salle des cartes, l'officier des renseignements aide les équipiers RESCO à préparer la récupération au sol du Survivor. Le Survivor au dernier contact radio. On va faire une première zone ici. Au sommet. Donc je donne les coordonnées. La ZP1. Ok, donc en 06, 64, 100 et 47, 72, 900. Ok, c'est bon. Donc ça va nous faire arriver, hein, si on a le dernier site qui a été effacé, qui est ici, ça va nous faire arriver en fait le long de cette route là. Et ensuite on enquille dans cette vallée pour remonter direct sur le relief et venir sur la zone. Mm-hmm. Pour vous, ça vous pose un souci? Non. Si jamais on progresse par là? Non, c'est ce qu'on avait toujours moins prévu. En tout état de cause, si on doit dégager, c'est forcément par la vallée qui est au nord. Oui. On descend dans celle-ci, on récupère là et puis on repart par le nord. Je vois avec Laurence pour les deux SA9 et avec Pascal pour lui, pour la carte. Ok, ça marche. Les deux SA9 ont été détruits tout à l'heure, par les mirages de l'idée. Parfait, merci. Pendant ce temps, le navigateur met à jour les coordonnées sur zone. Les coups de pilote, ça c'est fini. Je peux charger la navigation sur la carte, le RMU avec les cartes et la situation technique. Tout est nickel. Quand on va en zone hostile, c'est un acte agressif, quelque part, même si au départ, c'est pour aller récupérer et extraire... extraire une personne en situation précaire. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des combattants qui soient préparés à la fois mentalement et puis techniquement. On essaie de s'adapter le plus rapidement possible aux besoins, c'est-à-dire on ne sait pas si la personne est loin de l'endroit où on est, combien de personnes on doit aller rechercher, à quelle altitude. Et tous ces paramètres nous obligent à des choix. Dans l'équipement de la soute et dans l'équipement de la machine en général. Donc c'est un échange permanent avec les pilotes pour décider de ce qu'on va amener. Tactique Roger, tactique tout fort via Charlie Strip, Foxico 1-0 tout fort. Magic, RFU Alpha, approaching Tango Romeo, ready to push. On va pouvoir récupérer la position de Survivor par le biais du PLS, le Personnel Locator System, qui est notre système intégré qui nous permet d'interroger la balise du Survivor. Ok, Magic, pitch up, clear to push. Reception 1, rescue vehicle, what is your tactical situation? Status Pigal Alpha Technical Situation est clear. Copy. Ulysse 21, expect pick up in 2 minutes.
heure. Sur place, le pilote est en position de soumission. C'est la procédure pour une identification optimale. Une fois en joue, il doit répondre aux questions et aux mots-codes posés par les commandos. Have you got a gun? No. What is the letter of the day? Alpha. Ok, il est clair! Ok, on y va! Ok. Demi-tour par la gauche. Prêt? On y va. Mission accomplie pour l'équipage. Fin de l'exercice. Base de Cazo, division de formation à la survie et au sauvetage. Cette semaine se déroule un stage décisif pour les pilotes de chasse et tout le personnel navigant des différentes armées, le stage RESCO. Pour être opérationnel et partir en zone hostile, il faut absolument décrocher ce sésame. Moi, je me présente, je suis l'adjoint-chef Perrault, spécialité commando de l'air. Vous me dites si je me trompe, mais ici, dans cette salle de cours, nous sommes tous des militaires. Si on est militaire, c'est qu'on a accepté un jour d'aller en guerre ouverte ou dans un conflit interallié. D'accord ? Donc, tous autant que l'on est dans cette pièce, un jour, on peut se retrouver comme prisonnier de guerre. Ça n'arrive pas qu'aux autres parce que bien souvent, bien les personnes se disent « je vais faire une OPEX, je vais faire ma mission, tout est beau, tout est rose, je laisse ce que je suis en train de faire, je fais ma mission, je reviens, voilà, terminé. » Non, il faut toujours accepter l'éventualité que vous pourriez vous retrouver en territoire hostile. D'accord ? Donc là, on va vous présenter un film qui se base sur l'historique du commandant et du capitaine. Et en même temps de beaucoup d'autres anecdotes de différents prisonniers ou otages. Le film projeté aux militaires est interdit au grand public. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de rester dans la salle, sans dévoiler toutefois les images. On voit les pilotes qui sont dans leur avion et au bout de 5 minutes après, ils sont par terre, abîmés, aux mains des ennemis et complètement mochés. On ne pense pas très souvent à ça, donc ça fait réfléchir. On s'est dit, ok, là, on rigole plus, quoi. Après l'apprentissage des codes et des procédures de récupération, les stagiaires font connaissance avec les bases du corps à corps. Pour certains, surtout les pilotes, c'est une véritable découverte. Tout ce que nous voyons, c'est du corps à corps dans le cadre de la RESCO. C'est-à-dire, vous êtes crashé avec votre appareil, vous commencez une exfiltration, et là je tombe, au moment où je traverse une route, un chemin, je tombe sur un ou deux mecs qui sont aussi surpris que moi, et qui vont venir pour m'agresser. Alors plutôt que de rester comme un fruit et d'en prendre plein la gueule, d'après vous, quelle sera la position adoptée pour limiter la casse? Vas-y, approche-toi, montre-nous. Ok, donc là, vas-y, mets-toi en position. Alors là, voilà, bien, bouge plus, là t'es nickel. Là, les parties génitales ici, là. D'accord? Même en serrant les fesses, ça rentre. Hein. Là, ici, non, t'es trop sensible. Et en plus, tu vois, t'es très déséquilibré, sans force. Il y a l'idée. Bien, ton saut. Position du fœtus. Position du fœtus au sol, vas-y. Sur le dos. Sur le dos. Et tu rends tout, tu protèges tout. Là, oui. Voilà, là. Et là, t'es protégé. Là, tu te protèges. Protège-toi. Là, les côtes. Là, avec les mains, les cervicales. Voilà, là, t'es protégé. Là, les côtes. D'accord ? Là. D'accord ? Ok, tu peux te lever. C'est la position idéale pour limiter la casse. Vas-y, viens, viens, Titi, viens, profite. C'est pilote de chasse, oui. C'est pas tous les jours que tu peux taper un pilote de chasse, donc. Allez, viens, 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 voilà.
Première leçon, ne pas prendre de coups inutiles. Ok, relâchez les gars. Allez, serre tout, comme ça là. Serre bien, serre tes poings, serre tes poings. Voilà, ok, c'est bon. Oula, toi t'es méchant. À un moment donné, j'avais pas ma garde, l'instructeur, j'ai pris une énorme baffe, donc c'est là j'ai vu que j'avais des faiblesses dans le corps à corps, on va dire. Vas-y, fais comme tu veux. Ouais. Là, c'est pareil. Non, les deux. C'est con, ça. Hein. C'est rare. Ici, les deux points au niveau du visage. Les deux. Voilà. C'est-à-dire que là, tu vois tes deux points. De manière à ce que si ça vient de tous les côtés, tu fais ça. Tu fais ça, juste ça, sur 15 cm et tu te protèges. Si tu t'ouvres, ici, comme ça. Alors, ici, tu vois là, l'ouverture. Et là, boum, ça fera mal. Allez, les gars, c'est parti. Allez, dynamique, les gars, dynamique. Ouais, là, papa, bien titillé, là. Ok. L'instruction pour eux, c'est d'abord savoir se protéger, mais aussi apprendre à se défendre. Je suis en garde, je descends sur mes appuis, à mon top, avant-arrière. D'accord ? Et c'est moi qui donne le chrono. Ok ? Là, les gars, je demande d'appuyer. Là, allez-y, faites-vous plaisir. Ok ? Top ! Allez, bonbon, on met de la patate un peu. On voit tout de suite la force qu'on a à pas faire du combat corps à corps. Moi, j'avais pas de force quand je frappais, alors que d'autres frappaient comme des mules. Encore, on y va, les gars. Allez, on y va. Encore. On va dire, voilà. Ok, relâchez. Posez les bagues. Terrain d'entraînement de la base aérienne de Mérignac. Une unité RESCO des commandos parachutistes de l'air numéro 30 se prépare. Les gars, qui a pris le grimage là ? J'ai un... Steph ? Une pochette qui est là, moi. Allez, on commence le grimage. On sort des commandos où on travaille dans des gros groupes, en fait, 30, 40, 50 personnes. Tandis que là, la RESCO, c'est un groupe et puis un seul. On travaille toujours avec les mêmes personnes. C'est du travail en petites équipes, donc qui sont sélectionnées et qui reposent essentiellement sur les relations humaines à l'intérieur donc, de cette petite équipe. Un GRS, un groupe de récupération au sol, c'est au maximum 10 hommes. Aujourd'hui, leur chef a décidé de peaufiner leur technique de franchissement. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est au niveau de nos progressions, de franchissement de coupure. Quand en P1, P2, vous apercevez qu'il y a une coupure, vous faites arrêter le groupe, d'accord ? Là, tout le groupe tombe en garde. À ce moment-là, je donne l'autorisation à Stéphane et Alex, d'accord ? De monter jusqu'à la coupure. Ça fait une mini-mi et une arme individuelle de chaque côté de la route. Arrivé en face, vous avez une phase où vous rentrez, vous pénétrez la zone non reconnue, on traverse la route, on se repositionne de l'autre côté. Donc de l'autre côté, comment ça se passe? Il y a Riton et Mas qui sont là. Moi, je suis entre vous deux et Boubou, tu es derrière moi. D'accord? Être chef de groupe, c'est vraiment très très large, quoi. Et puis en plus, il faut être, comme c'est des gens qui ont une certaine expérience, il faut être un peu chef de meute aussi, quoi. Mais il faut qu'ils sentent qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui est de la poigne, quoi. Les gars, go. On prend conscience en travaillant en équipe que ben, le collègue qui tous les jours vient embaucher avec moi peut un jour me sauver la vie. Je lui fais totalement confiance dans le sens où ben, quand je vais regarder devant moi, si lui il protège mes arrières,
Il ne faudra pas qu'au moment venu, en zone hostile, je me retourne pour me dire est-ce qu'il fait bien son travail. Discrétion, efficacité, sécurité. Ce sont les critères essentiels pour tout franchissement dans une zone dite hostile. Une mécanique sans cesse répétée par les commandos pour que la marge d'erreur en situation de conflit soit proche de zéro. Pour former un commando à ce type de mission, ça demande du temps. Ça demande plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir un élément performant. Donc tout ce temps est nécessaire pour former les gens aux techniques, pour les former sur le plan physique et pour leur amener cette maturité et cette connaissance de la mission qui est indispensable pour qu'elle se déroule de façon nominale. Nouvel exercice pour le GRS. Suite à un accrochage avec des troupes ennemies, les commandos doivent se couvrir mutuellement par le feu et se replier vers une zone sécurisée. Une ligne de tir doit être constamment gardée. Les décrochages des hommes vers l'arrière sont rythmés et le feu doit être constant. Contact avant ! Contact avant ! Ciseaux ! Décroche ! Décroche ! On décroche ! La ligne ! La ligne ! Droite à gauche ! Fumigène ! Fumigène ! OK ! Camp de Biscarros. Le stage Resco continue, mais cette fois sur le terrain. Visage, cheveux, sac et même fermeture éclair, rien n'échappe au camouflage. C'est vrai que je me suis vraiment trahir par la blancheur de la peau parce que tout est kaki et marron, sauf le visage qui ressort bien, les yeux aussi, ça ressort un peu. Donc là, faut vraiment fouiller à la fond, quoi. Ouvrir les yeux. Essayer de garder ouvert. Avec toi, avec tes doigts, en fait, tu grattes le plus près possible ici. Ok. C'est les commandos qui ont fait le maquillage, donc normalement ça devrait bien marcher. Mais je me dis que le copain qui s'éjecte en territoire ennemi, qui se retrouve de son confort, même relatif, dans son avion, il tombe en territoire ennemi, faire son petit maquillage déjà, tout ça, la cagoule, et se cacher, c'est bien stressant. Leur mission, survivre pendant 2 jours en zone hostile avec des ennemis sur leurs traces. Se cacher, rester dans la forêt toute une nuit, progresser de façon cohérente. Des étapes qu'ils devront réussir pour valider leur stage. Allez, go. Regarde, bravo. T'as bien vérifié tout ton matériel? Oui. T'es sûr de tout? Tout fonctionne bien? J'espère. Ah bah non, faut pas espérer, il faut être sûr. C'est bon. Ton contact radio initial, tu l'as bien compris, tu le maîtrises. Oui. Pas un problème médical de dernière minute. Tout va bien. Hein? Pourquoi t'as pas de galon? J'ai juste le galon sur la combat. Bah ouais. Mais ça n'a pas d'intérêt, je veux dire. Tu dois avoir tes galons sur toi. Donc tu vas t'enfoncer dans cette direction, d'accord, 200 mètres maxi, hein, entre 150 et 200 mètres. Demain matin, tu reviens bien sur ce chemin. Où tu attends un encadrement pour te faire débriefer. D'accord? C'est bon? C'est bon. Race? Eh bien écoute, bon courage et bonne chance. Merci. Go. Là, je viens de lâcher le stagiaire. Donc là, en fait, il est dans la phase où il a eu l'événement aérien. Donc on peut dire son avion a pris un missile. Il est arrivé par terre. Et puis bah, maintenant, il doit rejoindre un endroit pour arriver pour se cacher.
Arrête de courir au milieu du chemin! Chaque minute est comptée. Les commandos ennemis vont se lancer à leur poursuite. Monsieur, bonjour. Je suis le capitaine Jay. L'exercice auquel vous allez participer est qualifiant pour les pilotes qui participent à cet exercice. Votre rôle, il va être d'essayer d'attraper les pilotes. Donc, un peu pour vous cerner l'exercice, ce sont des gens qui se sont fait tirer au-dessus du territoire hostile. Ce qui veut dire que les gens que vous recherchez sont des gens qui ont largué des bombes sur vos familles. D'accord ? Donc, il faut les trouver. Messieurs, je vous remercie. Bon courage. C'est parti pour la première dépose du plastron. Un mot employé par les militaires pour désigner dans un scénario ceux qui jouent le rôle des ennemis. Ils vont patrouiller, fouiller la zone toute la journée et toute la nuit s'il le faut pour découvrir les caches des stagiaires. Charlie, Oscar, uniforme, Victor. 18h. Camp de base des instructeurs, c'est l'heure des derniers contacts radio. Scorpion 6-0, this is Eagle, radio check. Scorpion 6-0, expect next radio contact. Tomorrow morning, 0800 Zulu time. Read back. Affirmative, sir. Eagle, out. Pendant toute la nuit, en fait, je ne fais quasiment jamais de contact radio. Le but étant que le stagiaire se retrouve un peu tout seul dans la forêt. Afin qu'ils se rendent compte que dans la forêt, il y a énormément de bruit. Il peut y avoir des animaux, mais il y a aussi, pour certains stagiaires, il y aura la proximité du plastron, des chiens. Donc il faut aussi que le stagiaire se retrouve dans une situation de stress où il risque d'être fait prisonnier. Au dernier message radio, on apprend qu'on ne vient pas nous chercher tout de suite. Là, il y a des grands moments de solitude. Le lendemain matin, le chef de stage va prendre des nouvelles Bonjour. De ses troupes. Comment s'est passé cette nuit ? Ça a été. Ça a été ? Oui, ça a été. T'as entendu du bruit autour de toi ? Non. Rien du tout ? Non. J'ai entendu les chiens aboyer, mais c'était super loin. Ils n'ont pas dû venir jusqu'à là. Maintenant, on va aller débriefer l'endroit où tu étais. Okay. Allez. Hop. T'es sèche, là, hein ? Oui. C'est bon, ça ? Volontairement, notre caméra reste à distance. Le capitaine Jay évalue le travail de dissimulation des stagiaires. Les méthodes de cache utilisées sont classifiées secret défense. Est-ce que quelque part, t'as vu un bouquet ? Ouais, avec les deux, entre ça et du chêne. Ouais. Regarde, dans la forêt, ce que tu vois, ouais, ce mélange de feuilles. Ouais. Ça, c'est super pas cohérent. Ouais. Le mec qui te connaît, eh ben, le mec, il va te trouver. Bah, écoute, c'est du bon travail. C'est du bon travail. Une fois que t'as fini, tu rejoins le chemin, t'attends ton binôme. Hein, et une fois que ton binôme est là, eh ben, tu pourras commencer ta progression. Nouveau défi, rejoindre à pied en quelques heures le point de récupération par hélicoptère, toujours sans se faire capturer. Et tout au long du déplacement, c'est un stress constant, quoi. On est tout le temps sur le qui-vive, prêt à riposter, à faire demi-tour. Progression peut être très lente, 500 mètres par heure. Parfois,
Il est même préférable de rester posté au même endroit plutôt que d'avancer et de se faire repérer par les ennemis. La zone de récupération est en vue. Pour les pilotes, c'est une première victoire. Maintenant, il faut attendre un contact radio des équipages RESCO pour espérer s'extraire de la zone hostile. On veut, on s'est pas fait choper pendant toute une journée, on n'a pas envie de se faire choper à 2 heures de la RESCO, quoi. L'arrivée des hélicoptères est imminente. Les pilotes doivent sortir du sous-bois. On sait pas d'où ils viennent, là. Ils sont là-bas. Donc... Selon la procédure de récupération, ils se mettent alors en position de soumission pour l'identification des commandos. Une fois les commandos à terre, l'hélicoptère s'éloigne. Le vol stationnaire est la position où il est le plus vulnérable. Ça va. Les commandos, quand ils viennent nous récupérer, c'est le seul contact qu'on a depuis 2 jours en territoire ennemi. Et pour nous, moi, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Et à l'instant T, je sais que c'est mes meilleurs amis au monde et je leur fais une confiance totale. Pensez à baisser la tête, il y aura beaucoup de sable. Fin du stage RESCO pour les pilotes. C'est une étape importante dans leur qualification opérationnelle. Ils viennent de vivre en exercice leur première et potentielle dernière récupération en zone dite hostile, dans des conditions proches de la réalité. Désormais, ils connaissent les procédures et les efforts mis en œuvre pour un jour, si besoin est, venir les chercher. Le fait qu'il y ait la RESCO en Afghanistan, ça nous permet justement, en cas d'éjection, de se dire, ben, de toute façon, il y a les gars qui sont là, qui sont formés pour ça eux aussi. Et il suffit que je tienne jusqu'à temps qu'ils arrivent. Je suis sûr que quand ils vont arriver, ben je vais repartir avec eux. Retour à la base de Cazaux. Depuis mai 2006, l'escadron est doté d'un nouvel hélicoptère, le C-725, baptisé en France le Caracal, un lynx d'Afrique. 5 sont déjà livrés à l'escadron et à moyen terme, 3 autres étofferont la flotte. Coût par appareil, plus de 35 millions d'euros. Le C-725 a été conçu et réalisé pour la mission RESCO. On est passé d'un appareil qui fonctionne de façon très basique, et puisque le Puma est un appareil des années 70, un appareil qui est très électronique, avec donc une approche très computer de l'aéronautique. On est beaucoup plus maintenant des gestionnaires de systèmes que des pilotes d'hélicoptères. Une vitesse de croisière de 275 km/h, un rayon d'action de 900 km, soit 2 fois plus que son prédécesseur, le Puma. Le C-725 est aussi performant de jour comme de nuit et démultiplie les possibilités d'intervention des équipages. Salle de briefing. Tout le monde se prépare pour une mission d'évacuation de ressortissants dans le cadre d'un exercice des forces aériennes de projection, le VOLFAP.
Ok, on est tous rassemblés donc, dans cette salle, équipage plus commando, pour briefer la mission Wolfap, donc qui a lieu sur Kellus. Hier, on a déposé du plastron, donc cet après-midi, on est chargé, pour ce qui concerne le personnel recovery, de récupérer ces gens-là. La mise en route à 55, le roulage à 0,5, le décollage à 13,10, pour être en gros à l'ouest du TR-01 à 35, prêt à pusher, sur ordre. Pour l'Igresse, si on est pris en chasse, de la même manière, si on est amené à scinder la patrouille, toujours une position par rapport aux Bulls, et on se retrouve soit au TR, soit en sortie. Ça marche ? Eh bien, allez, à tout à l'heure. Fabrice, on décolle à 5 secondes, hein, derrière un débranché. Non, 14 arrêtés dans cette seule, 14-4 le pas monté et 15-6 le pas max HES. Ok, gauche, c'est clair. Nous, on a un canevas qui consiste simplement à avoir des points de passage, des horaires et puis un personnel à récupérer au bout. C'est à nous de jouer avec les menaces que l'on rencontre, que l'on détecte, pour les évaluer, les éviter et puis arriver sur l'objectif et récupérer le personnel et le ramener chez nous. L'évacuation de ressortissants. Une mission parfois confiée aux équipages RESCO. Dernière expérience en date, Beyrouth, 17 juillet 2006. C'est avec les hélicoptères EC-725 que les premiers Français du Liban sont évacués vers Chypre. Camp de Kellus, dans les environs de Cahors. Un groupe de ressortissants est escorté par des commandos. À couvert, ils attendent l'arrivée des équipages RESCO. Fin de la dépose des commandos. L'évacuation s'organise dans le sous-bois. Il y a 8 VIP. Okay. Il y en a 8. D'accord. Il y en a 2 avec de gros sacs. D'accord. Voilà, c'est bon, ils sont clairs. Ok, t'en prends 3 et tu m'en prends 3, tu les amènes là-bas. Et tu me embarqueras dans le Puma avec. Ok, les autres venez avec moi. Vous restez là. Tu mets sur la fréquence alpha de 95. 15h35, à l'instant T, les hélicoptères RESCO se représentent sur zone. Troisième commandant.
quatrième commando. La 4 commando 3 ressortissant. Exercice accompli. Les ressortissants sont sains et saufs. En parallèle de la recherche et sauvetage au combat, les équipages assurent également d'autres missions d'une importance capitale. Depuis le 2 décembre 2006, deux C-725 sont présents à Kaboul en Afghanistan pour assurer des missions de transport, logistique et sanitaire.